En dépit de ce qui a été dit sur le concours de doctorat pour cette année, la polémique se poursuit. Les admis qui figurent dans les listes réserves appellent le ministère de l'Enseignement supérieur à élargir la liste après avoir diminué le nombre de postes. Nos revendications sont claires et nettes. Nous demandons à ce que la liste des admis au concours soit élargie, puisqu'il n'y a pas beaucoup de postes. Lors des années précédentes, le nombre de postes était de 8, 10, parfois même 12. Mais cette année, nous avons été surpris de voir que les postes sont entre 2 et 6 seulement. Les explications du ministère de l'Enseignement supérieur, s'agissant de la diminution des postes, semblent néanmoins ne pas avoir convaincu ces étudiants, qui estiment que l'austérité n'a rien à voir avec le nombre limité de postes. L'austérité n'a rien à voir avec les postes de doctorat, car ce sont des postes pédagogiques. Nous ne demandons pas de l'argent, nous voulons juste avoir un poste. Notre but, c'est d'acquérir le savoir. Et les étudiants ne comptent pas s'arrêter là. Ce lundi, ils poursuivront leur protestation devant le siège du ministère de l'Enseignement supérieur pour faire entendre leur voix et convaincre les responsables de donner la chance au plus grand nombre d'étudiants qui ne souhaitent qu'une seule chose, poursuivre leurs études supérieures.